bonjour, moi c'est Kim Lamoureux. Je travaille pour Unimiag depuis maintenant 12 ans. Je couvre le territoire là, dans le fond du Richelieu jusqu'à Valleyfield environ. Ça va avoir une ferme robotisée, donc les vaches sont lousses sur le terre accumulée. Ce que j'aime le plus dans ma job, c'est de suivre les producteurs dans leurs projets. C'est ce qui est le plus motivant, de les suivre dans leurs ambitions, puis tout en respectant leurs objectifs. Côté animal, peut-être un peu moins, mais dans le sens où en étant agronome, on doit être membre de l'ordre. Il y a des procédures, des façons de faire à suivre. Puis tout ça pour protéger aussi, autant le client que l'agronome qui fait les recommandations. On a toujours Solio qui nous offre des formations, soit formation grand troupeau, des formations pour des performances, des formations économiques, mais dernièrement, avec notre équipe chez Uniag, on s'est organisé une formation. On est allé dans le coin de Guelph. Il y a des belles fermes là-bas. On a vraiment été voir en collaboration avec Jeff. On a visité leurs clients dans cette région-là, ainsi que l'Université de Guelph. C'est sûr qu'il y a beaucoup plus de choses à rapporter spécifiquement aux clients quand on fait ce genre de formation-là, quand on va voir les fermes, on rapporte ça à notre clientèle, c'est vraiment apprécié. Je suis pas François Jacques, j'ai pas de main infrarouge, mais on fait tout ça garder dans le fond l'aspect de la RTM. Je suis en train de regarder, j'observe beaucoup dans le fond le comportement des vaches, le niveau du confort, le compostage, du fumier. On peut aussi prendre la température, mais on va regarder la rumination, le remplissage aussi du rumen des vaches, puis on va regarder au niveau de la ration, l'humidité, le hachage, puis on va regarder aussi le fumier, la consistance. Là. Fait que des fois, le producteur doit penser qu'on se promène, là, mais dans le fond, on s'habitue à avoir l'œil qui regarde tout ça en même temps quand on visite une étable. On est chanceux, là. On a une belle équipe, on a une belle gang, on s'entend tous bien, et même des fois un peu trop bien, je dirais. On a du fun ailleurs qu'au travail, mais je pourrais moi remercier François de toujours venir sur mes questions. François Jacques, quand j'ai une question, il voit qu'il n'y a pas personne qui a répondu à la question, il prend le temps de me rappeler. T'sais, François, ça fait au-dessus de 20 ans qu'il fait ma job. Fait que, il a encore plus d'expérience que moi, fait que j'apprécie ça. Les plus jeunes, nous autres, ben, comme Alex, lui, c'est plus quand j'ai une question côté logiciel informatique ou quand il y a quelque chose qui ne marche pas dans mon téléphone, là, Alex est là. Pour aider. Fait que je trouve qu'on a une belle complicité à travers l'équipe, même que ce soit pour les plus vieux et les plus jeunes. Et merci d'avoir écouté la vidéo. Puis encore une fois, s'il y a des commentaires, des questions, dans les commentaires, juste en bas. À bientôt!